Bonjour à tous et bienvenue dans ce magnifique enclos de Meumeu. Bonjour toi. Tu as fini de me regarder comme ça? Tu fais pas. Un gros Meumeu. Tiens, et voilà justement le nouvel arrivant. Voilà, l'élevage commence tout juste. Alors la deuxième, elle est. Elle est là, ouais, je la prouvais plus, je dis merde, elle est passée où la deuxième? Elles sont toutes là. Ça va. Regarde, il y a même toutes les vaches qui regardent. Les putain, toutes les poulets qui regardent par la fenêtre. Ils regardent tous la même. Oh, regardez, nous avons un nouveau à côté. Le pire c'est qu'ils regardent tous moi. Ils ont faim. C'est con. Parce que nous aussi, donc s'ils nous regardent comme ça, bon, on fera qu'une rasière. Ah putain. Tout ça pour des meumeux. Ils ont intérêt d'être bonnes. Mais oui, elles donnent des champis. Ah mais je parlais dans la poêle moi. Mais elles donnent des champis. Ou sur le barbecue, ça dépend. Champ... Au moins ça sera déjà. Champis. Manger. Je vais les bouffer moi, ces vaches. Oh le merdier. Pour tout ce qu'ils nous, nous ont fait subir. T'as lagué. Je télécharge des fichiers importants. Je suis surtout en train de uploader encore le même épisode. Hein. Et je suis actuellement à, roulement de tambour, 6%. Oh. Et ça fait... pas loin de 3 heures que je plane. Ça va? Ça va, hein, c'est dans les normes. Hein. On a utilisé à peu près 10 blocs d'or. Ça va encore, mais... Ça fait dans les 90 lingots. Ça pique un peu plus là d'un coup. Et un stack de fer complet. Un stack de blocs de fer complet. Bah ouais, bah on peut refaire les blocs là. On peut refaire des blocs. T'as utilisé quand même 10 blocs de diamants, je sais pas comment t'as fait. Je sais pas d'où ils sont partis tes 10 blocs de diamants. C'est mon armure. Ah non, pas les blocs. Je sais pas. Parce qu'on était à 52, on n'est plus qu'à 41. Je sais pas. Putain, il y a 10 blocs de diamants qui sont partis comme ça en fumée. C'est rien. C'est rien, 10 blocs de diamants, putain. C'est rien. Ça fait quand même 90. Ça fait 90 diamants, arrête. Mais c'est rien. C'est pas toi qui les as fait chercher aussi, attends. Arrête. Genre. Hein. 90 diamants. Mais c'est rien, je vois déjà les commentaires des putains. Ça me rappelle quand on faisait Soulcraft, quand on avait un diamant, on criait victoire. Ouais, oui, diamant. Oh, j'ai créé mon premier cube de diams. Oui. Magnifique. Oh là là, ça manque un petit peu ce serveur, hein. C'est con que... Bah moi aussi ça me manquait. J'aurais bien voulu me refaire une aventure sur un serveur avec du people. Ah bah il suffit de regarder notre émission et tu trouveras suffisamment de people. Mmh. Ah bah là niveau, tu peux rien dire, hein, niveau serveur, on en a visité un tas et on a une paire qui sont intéressantes. Hein. D'accord. De quoi? Non, rien. Une paire d'aventures qui peuvent être intéressantes.
en train de prendre du blé pour pouvoir faire de la bouffe. Parce qu'on a avec tout ce que j'ai bouffé. Je vais repartir dans les heures, je reviens. Ça t'a pas suffi, les deux vaches? Mais en fait, quand je viens de me rendre compte que malgré le fait qu'on ait récupéré les deux vaches, on a laissé quand même le mycélium là-bas. Ouais. L'herbe c'est verte. Violette. Ouais, t'en as besoin? Bah ouais, pour faire pousser les gros champis, c'est cool. Bon, pourquoi pas. Je sais pas ce que tu veux faire avec, mais bon. Une ferme à champignons géants. C'est vrai que les champignons, c'est ce qu'on sert le plus souvent. Mais on s'en sert pas parce qu'on peut pas les faire se reproduire. Enfin, si on peut, les petits, mais c'est chiant. Non, mais est-ce que tu vas vraiment te servir de tous les champignons que tu vas faire? Bah, ce sera là, hein, ce sera super cool au niveau du truc. Ça peut faire une belle décoration, parce que je me souviens qu'Exal, il avait fait dans son château une chambre vraiment sympathique. Une chambre forêt, avec fontaine dans la forêt, c'est vraiment bien. Et sa chambre était, le lit était dans le champignon, au milieu d'un petit lac. C'était vraiment sympathique, c'était vraiment très très bien fait et agréable. Genre, même dans la vraie vie, ce genre de décor, c'est agréable quoi. Ouais, sauf quand t'as un zombie qui monte à l'échelle et qui vient de bouffer dans ton champignon. Oui, mais là, c'est que t'es pas doué, est-ce qu'il faut mettre de la lumière pour le défendre. La la la. Je mets du blé. Moi, j'imagine la scène, le mec qui est dans son champignon, il dort, et un zombie, il monte à l'échelle. Il y a que dans Resident Evil où les zombies montent à l'échelle. Ah non, ici aussi. Les creepers aussi. T'inquiète pas. Ces zombies deviennent de plus en plus intelligents, faut faire gaffe. Hein. Les cochons aussi montent à l'échelle. Ça, c'est pas logique du tout. Ouais, mais alors pas du tout. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est une crainte. C'est grave. Il faut de la logique. Un minimum au moins. Là là là. Voilà, j'ai planté les carottes, j'ai planté les pommes de terre. Nous allons maintenant passer à la cuisine. Tu viens de récupérer tous les la bouffe? Ouais. D'accord. Parce qu'on a comme qui dirait j'ai comme qui dirait vidé un peu les stocks. Je te jure que tu peux pas savoir à quel point ça diminue à une vitesse folle quand je dois bouffer. J'ai paramétré pour que. Ah ouais, mais à ce point-là, quand même, il y a des limites, quoi. Parce que c'est quand même un sacré record, la vitesse. C'est impressionnant. Hein. Bah. Mais je fais 10 mètres, je dois bouffer 10. Oui, 3 mais steaks, tu fais 10 mètres dans les airs. Et toi, tu fais combien par hasard? Bah, moi, j'en fais pas, je. Tu te mets en god mode, tu es d'accord. Donc, tu vois, c'est pas équitable. Ah si, c'est équitable pour ce que c'est quand même. Le fait que ce soit... Toi, c'est, god mode c'est... et moi rien non, mais non, il n'y a pas de god mode, c'est juste que ce soit... C'est équitable par rapport au fait de pouvoir voler. L'idée simple de pouvoir voler par rapport au mode survival, c'est... Je trouve normal que en restant survival, ça consomme plein. Et ça me fait franchement chier que ça me le fasse pas aussi. Il y avait des steaks dans les fours, je ne m'étais même pas rendu compte. Oui, j'en avais mis. C'est cool, quand ça j'ai de la bouffe. D'ailleurs, je vais retoucher un peu la zone des fours. Ah bon? Ouais. Parce que sur mon serveur perso, j'ai eu le temps de m'entraîner un petit peu niveau... système 1.5, alors je vais utiliser les entonnoirs. Les entonnoirs. Ouh. C'est quoi ça, c'est un nouveau truc? Les entonnoirs. Dis pas nouveau, c'est sorti un mois.
Oui, mais tu sais bien que j'ai pas fait attention à ça, et à part avec toi, je joue pas à Minecraft. Hein. Ou bien je visite des serveurs, mais c'est pas en visitant des serveurs qu'on apprend à faire différents trucs comme ça. Les entonnoirs... Mais alors c'est quoi tes entonnoirs? Oh putain! Attends, je me fais mitrailler le cul. On en reparle après. Me fait mitrailler le cul. Ouais. Et sans lubrifiant. Je veux pas de détails. Putain, on avait une quantité phénoménale de cookies. Mais oui. Tu t'avais fait plein de cookies. Oui, j'ai oublié. Mais vu qu'on l'a mis dans le rayon pain, bah... j'ai pas pu en prendre, parce que je savais pas. Bah, il faut manger. Oh merde, les graines, c'est là. Faut fouiller dans tous les trucs pour manger. Tu cherches à manger, tu fouilles partout où il y a du bouffe. Où il y a du bouffe. Toi, tu parles bien la France, hein. Faut toujours vérifier là où il y a du bouffe. Oui, toujours. Parce que, parce que c'est là où on trouve justement de la bouffe. Voilà. Feuille de cacao, feuille de crème de pastèque, champignons, on en a un. C'est rien. C'est énorme. Sérieux, on en a si peu que ça? C'est énorme. Putain, merde. Il y a combien de champignons? On en a un. C'est pour le lol, quoi. J'en ai au moins un. Bon, c'est déjà pas quelle mal. Quelle couleur? Je sais pas. Il est rouge ou il est marron? Ah ouais, marron. Avec le tester marron. Pack. Non. Marron. Ok. Il faut des champignons rouges. Normalement, il devrait y en avoir pas loin. Enfin, ouais, oui, non, sur les meumeux. C'est vrai que ceux sur les meumeux, c'est à coup sûr des rouges. C'est bien, ça. Est-ce que c'est mieux? Comment ça? Non, c'est pas mieux, c'est que pour réussir à... En fait, pour consommer... Pour consommer... Une soupe de champignons, il faut les deux sortes. Donc t'en consommes pas un sans l'autre, en fait. Oui. Donc s'il t'en manque un, tu peux pas manger du tout. Oui. Voilà. C'est bien, c'est vrai, on a un marron, donc on aura un rouge, on pourra faire une soupe. Non, mais si on les fait se reproduire, on aura plus. Avec une pelle, t'arriverais peut-être mieux qu'avec un os. Tu crois? J'y crois pas. Oh là 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 là. Il aime bien se foutre de moi. C'est quoi ton objectif en fait dans cet épisode? Merde, on tourne. Hein? T'avais oublié qu'on tournait? C'est une blague là. Non mais il y a des fois j'oublie. Là j'avais pas oublié mais des fois j'oublie. Ouais, bon, pourquoi pas. Bah, dans cet épisode, je vais essayer de faire plusieurs choses. Et toi? Bah, oui. Moi, je vais déjà essayer de commencer à faire un petit peu de ça. Minimum. Pose ton champi, toi, et arrête de regarder et fais... J'en ai pas champi sur moi. Ah, tu l'as pas pris? Tu l'as pas dit de le prendre? C'est rien, c'est pas grave. Je vais chercher le champi. Et prends une cisaille. On va tailler une meuf. Alors, où est-ce que je l'avais trouvé? Non, pas là. Dans les graines. Ah oui. Champignon. Ok, dans cisaille, il y a des cartes et des seaux. Parce que c'est des outils. C'est le coffre outils. Pas cisaille, outils. Pour moi, c'était coffre cisaille. Il faut arrêter de te bloquer sur ce que tu vois. Faut penser plus loin. J'y arrive pas. Je vois. Alors, je vais remettre des panneaux comme avant parce que ça va pas. moi j'aimais bien moi les panneaux. Ça fait plus beau mais je galère plus. Avant je connaissais l'ordre, là je les connais pas. Ah putain, voilà.
Allez, taille une vache. Oui, récupère les champignons, c'est bien. Ça devient des vaches de... Normal, oui, normal. Ça redevient champignon ou pas? Non, ça redevient pas champignon. Ouh, donc heureusement que j'ai pas taillé la seconde. Voilà. Fallait prévenir. Oh. Je l'ai pas fait, mais folie. T'as pas prévenu? Je t'aurais frappé. Je pense que tu te serais frappé aussi. Bon, tu poses un de chaque. Un de chaque. Un marron, un rouge. Et assez éloigné l'un de l'autre, quand même. Ah. Oui, je te vois venir. Ça fera pas symétrique alors. Je m'en branle. Tu le poses ici. Pose le rouge ici. Oui, j'aime bien que ça soit symétrique. Perfect. Perfect. Voilà, maintenant on taille. Et on espère que ça en donne. Ça en donne. Déjà, on a doublé le truc. 4, c'est bien. Faut au moins qu'on ait toujours un grand champignon ici. Histoire d'être sûr. Il pleut des champignons. Là 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 là. À part faire des parcours de Super Mario, ça sert pas à grand chose. Nul. Moi j'aime bien moi les parcours de Super Mario dans Minecraft avec des champignons. Ça fait combien de temps que tu l'as préparé cette blague-là? Je l'ai pas préparé du tout. C'est que je le pense vraiment. Il y avait un parcours de champignons dans un serveur et j'avais vraiment bien aimé ce parcours. C'est quoi ça? C'est un bloc de terre, laisse le bloc de terre. Ah, je sais pas parce qu'il est il y a plus le même. Oui, c'est parce qu'il y avait un arbre dessus. Ah. Parfait. Maintenant, on replante et on laisse comme ça. On n'a pas besoin d'avoir plus pour l'instant. On peut en avoir un de plus là, normalement. Non. Non, alors sur coup là. Non, mais c'est plus, j'ai plus de machin. Donc, faudrait qu'on essaye de faire un truc, par contre. C'est qu'on oppose des petits. Je crois que ça se reproduit tout seul, les petits. Sur le mycélium, ça devrait. C'est pas le jour ou Non, bah dans le non, non. noir, comme ça. Laisse-en que deux. Que deux. Enfin, je crois me souvenir que ça a une limite. Si on a cinq dans un espace trop proche, ça se reproduit plus. Mais grâce au mycélium, il n'y a pas besoin que ce soit en noir pour ça. Ah, je sais pas, j'y connais rien moi. Je crois. J'ai pas vérifié récemment. Mais je crois avoir lu ça dans une vieille version. Maintenant, est-ce que c'est toujours valable? Ça, je sais pas. Tu te rends compte quand même qu'on va se faire reproduire le père et le fils ensemble pour Non, c'est avoir... pas le père. Le père et le fils, ils auront du mal à se reproduire. Oui, mais c'est Minecraft. Il n'y a pas de limite. C'est tous des gays. Tous. Ce sont Tous des homo. vaches, donc ce sont la mère et la fille qui vont se reproduire. Y a pas de pie. C'est des vaches, bon. Fatigué. On dit que de la merde, c'est un truc de fou. Donc ici, il faut que je travaille le bordel. T'as quelque chose à faire, toi? Non, pourquoi? Il faudrait t'essayer de trouver un truc. Essaie de travailler sur ta chambre. Waouh, il fait jour. Oui, il fait Non, je jour. te regarde. Mais je suis en train de faire cuire des steaks. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas important. C'est juste des steaks. Si, mon estomac, il réclame des steaks. Calme. Me prends une pastèque. C'est pas pour les pastèques. Rien à battre. Voilà. Sinon, t'avais déjà fini de les faire cuire. Non, pas tous. Bah, il restait une. Ah bah, pas tous. Waouh. Donc, ça c'est fait. Il me faut des coffres. On a tout plein là-bas.
Oui, dans le coffre, parce qu'il faut pas que ce soit dans autre chose que le coffre. C'est ça, c'est dans le coffre des coffres. Il me faut du fer, beaucoup de fer. Ça c'est ok. Non, en effet, il t'en faut beaucoup. Oui, j'ai pris un paquet. Il me faut une hache. Je vais virer tous ces établis. Je vais virer tout ça. Qu'est-ce que tu devrais faire en fait? Four automatique. Four automatique. Un four automatique qui fait du... Bah, un four qui fait du carburant. Un four qui récupère le carburant. Un four qui consomme le carburant. Et un four qui range le carburant dans... Enfin, la bouffe cuite dans des coffres. Bien sûr, tout ça, c'est pas des fours différents, c'est tout dans le même tas, et en tout, il y aura que deux fours, si tu peux. Il y aura un four carburant et un four comburant, si tu veux. Ouais. Donc, je veux des coffres, je prends les coffres, je mets des coffres, c'est beau les coffres. Donc coffre, c'est nickel. Et ici, je vais mettre la table de craft parce que c'est beau. Bon, c'est ton point de vue, mais je le suis. Alors ici, je fais plein de fer. Oh, beaucoup de fer. Je fais ça. Donc tu sais pas du tout comment ça marche, toi, les entonnoirs, alors. Ça va dans le saut. Sois sincère. Bah, je vous rappelle d'avoir vu ça sur une vidéo que t'avais envoyée il y a longtemps. D'accord. Donc, viens là, mon coco. Viens là, mon coco. Ah, c'est moi, ton coco. Quand je dis mon coco, c'est quelqu'un que je veux buter dans un jeu, donc... Tu mets quelque chose que tu veux dans le coffre du haut. Que je veux? Non, que... tout ce que tu veux, tu mets tout ce que tu veux dedans, n'importe quoi. Amuse-toi, fais-toi plaisir. Ok. c'est pas ça que tu veux? Voilà, mets tout ce que tu veux, plein de trucs, on s'en branle. Ouais, mais j'ai rien sur moi quasiment, donc... Bon. Mets des choses dedans, voilà, c'est beau. Tu vois ce qu'il y a dedans? Tu vois? Sam, t'es content? Ça, ça, ouais. Bah, j'en mets quelques-uns, voilà, comme ça ira plus vite. T'es content? Maintenant, oui. ouvre le coffre du bas. Ouvre le coffre du bas. T'as vu? Ah! C'est génial! Ah, c'est mieux que génial. Je connaissais pas ça. Voilà, maintenant t'as compris le principe, on met ce qu'on veut cuire en haut, ça le passe dans le four le cuit, et ce qui est dans le four, ça passe dans le coffre. Content? Je veux voir ça à l'œuvre avant. D'accord. Ça marche parce que je l'ai déjà fait sur mon serveur perso. Donc... Pourquoi des entonnoirs là? Pour ça. Voilà. Maintenant, on va mettre quelque chose qui peut cuire. On va mettre... déjà, on met le carburant. Du charbon, il y en a tout là. Mais un truc qui peut cuire. Non, non. Qui peut être cuit. Si tu préfères. J'ai un steak. Et on n'a pas tellement de trucs à cuire. Hein. J'ai tout fait cuire avant, t'aurais dû prévenir. De la pierre. Pas con. Pierre. Voilà. Donc t'en mets un peu dans le four. Le four où il y a du carburant. Tu mets tout. Voilà. Et tu vas voir que ça arrive là-dedans. Cuit. À côté. Tout seul. Ouais. Ah ouais,
Je pensais que ça serait mis à gauche. Dedans, mais pas à côté. Ah oui, ça se met... Ouais, clac, clac, j'ai pas vu. Ah ouais, voilà. C'est cool. C'est très cool. Et on peut faire de la même façon... Ah non. Cherche un moyen pour les slimes qu'on a en bas. Oui, on peut faire ça. On peut les placer les trucs en dessous, comme ça, il y a un système qui tue, et il y a ça en dessous qui récupère. Oui, c'est ça que faudrait trouver un moyen de faire. On peut le faire. Maintenant, il faut que je fasse les autres, parce que c'est bien beau de s'amuser un petit peu, mais là, il faut que je fasse le reste. Non, je peux pas en faire autant, quand même. Ça devrait aller. C'est pas con comme système, c'est une bonne invention. Oui, c'est très beau. Alors... Il y avait pas un truc aussi avec... en appuyant sur une touche, ça remet la moitié, 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 moitié à chaque fois. Dans un coffre, par exemple, t'appuies sur Ah ouais, il faut t'appuies sur Shift, il faut que tu joues un petit peu avec ça, c'est... Je sais plus trop ce que ça donne, ce que ça fait exactement. Bah, j'appuie sur Shift, et après, ça me le ramène dans la main, donc c'est pas ça du tout. Non, mais il faut que tu fasses plein de combinaisons, c'est assez bizarre comme système, je sais plus trop. Tu vas faire quoi, là, en fait? Ça. Ensuite, il faudrait que je sois au-dessus. T'es con, Pépé, t'es con. Alors... Oui, oui. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est pour la déco, ça? Pas vraiment. Parce que je vois pas ce que ce four-là va envoyer, là. Tu vas comprendre, tu vas comprendre. Ouvre tes chakras. Il me dit mal, ça. Moi, je t'explique assez vite, parce que l'épisode commence à être un petit peu long. Oh. Un peu beaucoup de la merde aussi. Ça change pas d'habitude. Si, encore plus. Plus, ouh là là, ça te rigole plus. Donc en fait, tu mets un truc dans le coffre qui va faire clac 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 clac. En fait, le coffre du milieu, on va mettre ce qu'il faut cuire. Tu vois le coffre en haut au milieu. Mais sur les coffres du côté, on mettra ce qu'on veut transformer en truc qu'il faut cuire. C'est-à-dire des rondins de bois. Exactement. Parce que quand tu fais cuire des rondins de bois, ça les transforme en charbon. Oui. Et je fais de la merde. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais rectifier ça après. C'est juste que j'aurais dû les mettre là, les coffres. C'est plutôt que de les mettre à côté, j'aurais dû les mettre au-dessus. C'est idiot. Ah, pourquoi? En fait, un entonnoir sur le haut d'un four, qui va dans le petit bout, il va sur le haut d'un four, ça va mettre l'objet à cuire. Mais quand tu mets en dessous, ça va mettre l'objet... Ça va mettre sur le côté. Voilà, c'est ça. Oui, comme ça devrait aller nickel, c'est parfait. Bon, bah voilà, on a fini la zone des fours automatiques. Il n'y a plus grand chose à dire, après c'est juste qu'il faut mettre. On va tester, si tu veux. On va enlever ça. J'ai un steak. Un bouton rondin de bois. Il n'y a pas des masses. Si on a là, hop.
Alors. Les rondins de bois, rondins de bois. Mais déjà, il y a des fours qui sont pas alimentés, donc c'est un peu emmerdant. Bah on va alimenter que les fours sur le côté pour voir si ça marche justement. Ouais. Allez, vas-y. Voilà, donc je mets. Merde. Pourquoi il a balancé, je sais pas. Voilà. Donc ici, on met le steak. Ouais. D'accord avec moi. Donc là, il est tombé dans un des fours. Bah, il est tombé dans le four qui est pas alimenté. Oui, j'ai fait exprès. Pourquoi? Parce que je veux justement tester ce que tu as dit. Alors là, je mets le D'accord. bois qui va justement envoyer à cuire. Donc logiquement, si ce que tu as dit est vrai, on va voir celui-là se mettre en marche. Comment c'est qu'il me croit pas? Bah, c'est pour montrer aux youtubeurs. Oui, bah tu vois, il s'est mis en marche. Voilà. C'est pour montrer que j'avais bien compris aussi. Par Oui. contre, j'ai une question. Quoi? Comment ça s'arrête? Non, c'est pas ça. C'est que si tu mets plus que 64 trucs comme ça, il va s'arrêter de rentrer dedans une fois que celui-là sera Ah, rempli de. une fois que c'est plein, le transfert s'arrête. C'est ça, ok. Enfin, ça reste dans l'entonnoir. Ok. Parce que si tu cliques sur l'entonnoir, tu vois qu'il a 5 cases. Ah! C'est un peu comme le four. Et dès que c'est enfin, dès que t'as 5 cases de rempli, c'est bon. Il arrête. Il bouge plus. Ok. Ah, et Intéressant. dernier truc pour toi, pour que tu saches, quand c'est alimenté avec de la redstone, ça ne s'écoule plus. Ah. Comme ça peut te donner des idées. Comme. Fais marcher ton imagination, merde. Je vais pas tout te dire. Je te dis Bon juste bleu. qu'il existe des filtres. Pour filtrer. Mais Ça tu me... sais ce que c'est un filtre, t'inquiète pas. Oui, Hein. je le dis, je le dis, je le dis. Mon steak, miam. Là, c'est mon steak. Et là là. Ok, Tadam! intéressant, intéressant, intéressant. Muy bien. Content, satisfait, heureux. Non, mais bon, satisfait pour le moment. Aïe. Bon allez, on vous dit à plus, l'épisode a duré bien longtemps. Oui, bah en fait, on a fait que des épisodes d'une demi-heure aujourd'hui. Donc, si vous aimez une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de mettre un petit commentaire, de cliquer sur j'aime, de faire un petit tour sur notre page Facebook et de parler de nous autour de vous et de nous suivre maintenant sur notre compte Twitter. Et on vous dit donc à un prochain épisode pour la suite de Minecraft où on va sûrement faire de la déco. Et oui, il faut. Faire de la déco. Ce vaste univers mérite d'être exploré. C'est mieux que décoré, non? Non. J'essaye, hein. Allez, un peu de déco, ça va faire du bien. On vous dit à plus, les mecs. Salut tout le monde et les filles aussi. Il n'y a pas que des mecs. Aïe. À plus, les mecs. Ce. Tu t'enfonces là. Allez, à plus. Salut tout le monde.